Mes frères et sœurs, si vous dites ce que je viens de voir, vous ne m'y croyez pas. Mais c'est incroyable! Mais vrai. La fille qui devait être celle-ci, elle va être attirante. Elle veut ressembler à Rihanna et à Beyoncé. Et pas seulement ses jeunes, pas seulement ses filles. Elle dit qu'elle veut ressembler aussi à Kim Kardashian. Elle dit qu'elle veut être sensuelle, sexy parce qu'elles sont jolies. Il n'y a pas de souci. Nous, elle a compris. Maintenant, elle a commencé à s'habiller. Aujourd'hui, on remarque quelque chose de grave. On voit quelque chose de grave même que nous allons vous montrer tout de suite. Nous allons vous montrer ce qu'on a vu. On voit maintenant les filles là. On a l'impression que elles veulent même se mettre nues. On a l'impression qu'elles veulent se déshabiller. Ah, moi je ne comprends pas. Comment tu peux t'habiller comme ça? Frère, si on ne vous montre pas ça, c'est pas bon. Mais maintenant, on va pour vous prévenir. Si vous avez moins de 18 ans, regardez la vidéo suivante. Parce que ce qui se passe peut-être dans ce monde-là, ce sont des choses qui ressemblent à des trucs X. Du genre, les gens se baladent avec des... Ma frère, c'est difficile à dire, mais facile à voir. Allons voir ça. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant. On voit studio. Ce que nous allons voir, c'est hors du commun. Mes frères, c'est vraiment... C'est extraordinaire. D'abord, regardez ça. Si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne, cliquez sur ce bouton. C'est un bon accueil. Abonnez-vous sur notre autre chaîne. Dans ce bouton, c'est notre Young's TV. Maintenant, soyez prêts. Déjà, nous allons vous dire, mes frères et sœurs, mes sœurs, nous ne sommes pas contre vous. Vous êtes jolis. Mais le problème, c'est que quand vous vous habillez comme ça, ça nous séduit. Et ça, c'est vraiment grave. Comme vous le voyez, c'est pas de la blague. Regardez comment la fille s'est habillée. Regardez comment elle s'est vêtue. Moi, je ne comprends pas. Je n'ai jamais vu ça. Mes frères et sœurs, c'est le monde à l'envers. Elles ont commencé par porter des pantalons. Elles disent que oh, nous voulons nous habiller en pantalon. Les gens ont laissé la fesse. Elles ont commencé à porter des pantalons. Et les femmes ont commencé à s'habiller comme des hommes. Après, c'est devenu des jupes. Puis, le pantalon a été coupé encore. C'est devenu un pantalon bien court. Après, le pantalon même, ils l'ont déchiré. Et vous leur posez la question, mais pourquoi vous avez déchiré le pantalon? Ces gens-là vous disent, oh, c'est le style. Tu sais, c'est la mode. C'est même la mode. Ah, tu as déchiré le pantalon. Le pantalon qui était déjà rendu court là. Tu l'as même déchiré. Maintenant, tu vas venir déchirer devant maintenant. Devant le pantalon, regardez. La culotte, regardez. La culotte est devenue courte comme ça. Et elle a même déchiré devant. Ah mon Dieu, on vous a fait quoi? On vous a fait quoi les femmes? On vous a fait quoi? Regardez. Elle est même devenue déchirée devant là. Elle a déchiré devant. Avant, quand une fille s'habille, même maintenant, même, quand une fille s'habille et on voit son dos, les gens appellent ce vêtement-là, chérie, regarde mon dos. Maintenant, ça là, comment ça s'appelle? Ça veut dire, chérie, viens regarder ma chose. Mais regardez. Moi, je n'ai jamais vu des trucs pareils. Si ça n'est pas été filmé, vous ne l'aurez pas cru. Si elle ne vous montre pas ça, vous êtes parce que c'est de la blague. Mes frères et sœurs, soyez prêts. Elle est là. Elle a des choses à nous montrer. Regardez même ça. Ah! Comment peux-tu te balader dans le pays avec tout ce bagage intellectuel là comme ça? Et voici cet homme qui a venu l'approcher. Qu'est-ce qu'elle va même lui dire? En plus, elle a même le courage de s'arrêter pour causer avec lui. Moi, je ne comprends pas. Vous avez vu? Voici comment le diable est en train de corrompre les âmes des gens. Qu'est-ce qu'elle a... Par quoi est-elle passée pour arriver jusqu'à ce niveau? Qu'est-ce qui s'est-il passé dans sa vie pour qu'elle arrive jusqu'à ce niveau? Il y a beaucoup de personnes ici qui vont dire, mais où étaient ses parents?
Qu'est-ce que ses parents ont fait pour empêcher ça? Aujourd'hui, il y a l'industrie de la musique qui joue un rôle très important dans la destruction des valeurs morales avec tout ce qui se passe, vous savez. Il y a les célébrités qui font tout et n'importe quoi, qui nous présentent du n'importe quoi. Et les jeunes filles se laissent avoir. C'est l'heure que les maintenant que les parents doivent se réveiller pour faire attention à ça. Normalement, la jupe de la fille, là, ça doit dépasser son genou. C'est-à-dire, ça doit descendre jusqu'à dépasser son genou. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ici, là. La jupe doit descendre jusqu'à ici. Vous voyez? Jusqu'à ici. Mais quand c'est haut jusqu'à là, comme une culotte, même si ce n'est pas une culotte, quand c'est haut jusqu'à là, quand elle va s'asseoir là, qu'est-ce qui va se passer? La culotte va monter jusqu'à ici. Et elle va commencer à tout nous montrer. Ah! On va dire quoi même pas là? On va dire que les gens sont en train de servir le diable au travers de quoi? De leur comportement. Parce que si vous ne savez pas, au travers de votre manière de vous habiller, vous pouvez même adorer le diable. Regardez même ici. Là, elle adore Satan sans le savoir. Par sa manière de s'habiller. Regardez comment elle a exposé ses seins. Il y a même un témoignage puissant qui a précédé cette vidéo. Nous allons vous montrer quelques images. Vous allez voir, vous allez aller même voir de vos yeux. Ah, mes frères et sœurs. Vous allez aller voir de vos yeux. Les témoins puissants là sont même pas loin. Les témoins puissants sont même là. Vous allez voir, vous allez voir. Regardez. Regardez. Voici ces témoignages là même qui sont même ici. Partie 4, partie 3, partie 2, partie numéro 1. Et à la fin de cette vidéo, nous allons positionner cette vidéo là ici, afin que vous puissiez la voir en intégralité sur Nyan Srebon 3. C'est une autre chaîne YouTube qu'on a aussi. Mais mes frères et sœurs, c'est vraiment grave. C'est vraiment grave. Comment pouvez-vous expliquer ce qui se passe ici? Comment pouvez-vous expliquer ce qui se passe? Ah, une personne va l'accoster comme ça. Et vous aussi, mes frères et sœurs, vous voyez une fille à la pied comme ça. Vous ne pouvez pas lui dire, ma sœur, pardon, tiens, panne. Faut mettre ça sur toi. Vous aussi, vous êtes en train de la regarder comme ça. Vous-même, vous la prenez même en photo. Dieu sait ce que certaines personnes vont faire à la maison. Dans le noir. Ça dit derrière là. Dieu sait ce qui se passe là-bas. Mais frère, c'est grave. Regardez encore. C'est vraiment très grave. Et elle se balade. Elle salue les gens. Elle cause avec tout le monde. Elle rit. Et pour le monde entier, c'est normal. Hein. Des choses qui ont apparu, qui ont commencé de façon simple, ont commencé, mais sont devenues, ces choses-là sont devenues normales. On ne comprend plus rien. Et elle n'est pas la seule, elle n'est pas la seule. Il y en a, il y en a, il y en a. Il doit vous montrer encore une autre fille. Elle dit qu'elle va faire du sport. Elle, son sport, elle va faire là. Pour elle faire du sport là. La manière dont les filles s'habillent là. C'est même grave. Vous allez vous montrer ça. Nous cherchons la position. Et vous allez voir. Nous sommes en famille ici, non? On se dit des vraies choses. Maintenant, regardez. Il a vu une fille. Jusqu'à il enlève même ses lunettes. Ça, c'est le comportement des jeunes gens. Il enlève ses lunettes. C'est-à-dire, on ne sait pas ce qu'il recherche. Il veut voir quoi là-dedans? Regardez comment elle est habillée. Quand vous vous habillez de façon sexy, vous attirez les regards des gens vers les parties les plus sexy de votre corps ou les plus sensuelles. Et lui, il regarde quoi? Regardez. Bon. Qu'est-ce qu'il regarde? On va dessiner le trait. Ça tombe comme ça. Boum. Est-ce que vous avez dessiné en même temps que moi? Est-ce que vous avez même vu ça? C'est qui ce mec? Bon, ça va. Est-ce que vous avez même vu? Bon, regardez. On va dessiner ensemble, vous allez me dire. Qu'est-ce qu'il était de regarder? Regardez, ses yeux sont là. Voilà. Ses yeux sont là. On va taille de ses yeux. Vous voyez? Ça descend direct sur les fesses de la fille. Si c'est passé sur ses fesses, ils sont là. Selon si c'est sur ses seins qui l'ont attiré, il va regarder ça. Ça veut dire que le diable est en train de faire son boulot, hein, en nous présentant chaque jour des filles à moitié nues.
À un moment donné, les filles, elles vont même se déshabiller. Même. Elles vont dire, mais bon, les femmes, ça suffit. Mettons-nous nus maintenant. Mettons-nous même nus. Et baladons-nous. Comment faire? Laissez-nous faire ce qu'on veut. Ah, nous sommes où aujourd'hui? Nous sommes dans quoi? Ma soeur, tu es dans quoi? Mon frère, tu es dans quoi? Regardez, c'est à cause de voir des regards des hommes aussi que les filles ont le courage de s'habiller comme ça. Si on s'intéressait à des filles qui s'habillaient très bien, peut-être que elles auraient changé un peu. Regardez, c'est le moment de faire ce qu'il faut pour éviter certaines choses. Regardez, elle aussi est habillée sexy. Et c'est comme ça que ça commence. Sans doute la fille que nous venons de voir, elle était habillée comme ça d'abord au départ. Et à un moment donné, elle a dit, ok, ça suffit, je vais déchirer ce qui est au milieu là. Pour que, voilà, on puisse tout voir en même temps. Parce que c'est comme ça, ça doit être. Mes frères et sœurs, ne faites pas ça chez vous. Ne faites vraiment pas ça chez vous. Et soyez vraiment prudents. Nous avons montré cette vidéo pour vous donner des vrais conseils. Moi, j'ai vu ça, ça m'a tellement choqué. Et j'ai partagé cette vidéo avec vous. Comme nous sommes en famille, on se dit les vraies choses, n'est-ce pas? Mais bien sûr que oui. Si vous êtes d'accord avec moi, cliquez tout sur j'aime. Si vous pensez que j'ai bien fait cette vidéo aussi, cliquez tout sur j'aime et partagez la vidéo. Trois autres chaînes sont là, vous attendez dans la page d'accueil. Cliquez sur un second et allez voir. Il y a souvent 2, il y a souvent 3. Et Yanks TV sur ces trois autres chaînes. Et la vidéo en intégrale qui nous montre un démon qui parle de toutes ces femmes qui s'habillent comme ça et pourquoi. Sa vidéo va apparaître ici. C'est une vidéo qui fait environ 1 heure. Bon, on peut dire 56 minutes et quelques. Allez la voir sur Yanks Second 3. Sinon, cliquez directement sur la vidéo qui apparaîtra ici à la fin. Pour avoir accès à notre troisième chaîne. L'heure est grave, mes frères et sœurs. L'heure est grave.